Vous savez, c'est un peu un métier de dingue. C'est une question que je me pose des fois. Est-ce que je me détache? Est-ce que j'ai acquis plus de distanciation avec le temps? En même temps, oui. En même temps, je comprends plus ce à quoi j'ai affaire en jouant. Mais qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre de moi-même que je propulse à travers une figure qui ne serait pas moi. C'est un truc, là j'en suis à un point où je me dis, en fait, parce qu'on dit, oui, j'ai réussi à me retrouver, à me récupérer, après avoir joué un personnage très, très fort ou très troublé, ou très, 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 très dingue, ou très en perdition, quoi, où on s'oublie soi à travers un personnage. Et moi je me dis, mais non, en fait, je ne me retrouverai jamais. Et en fait, c'est pas le but. Parce que ça devient deux quêtes qui sont parallèles. C'est en même temps le fait d'essayer de se mettre le plus possible au service d'un personnage. Et en même temps, c'est de plus en plus une introspection à travers les réseaux de soi-même, c'est-à-dire de l'être humain, quoi, les paramètres de l'être humain qu'on porte en nous. Je pense que j'aurais été interné dans quel casier psychiatrique. Non, je blague à moitié, ou que je sais pas. Je sais pas, pour moi, ça a été une issue. Ça continue à l'être. Je sais pas dans quel domaine j'aurais pu déverser comme ça quelque chose, un trop-plein de vie, quoi, une aspiration. Peut-être si j'aurais pu faire. Si, il y a deux choix, en fait, qui sont très concrets. J'aurais pu faire moine ou soldat. C'est-à-dire de faire partie de corps constitués, comme ça, où il n'y a pas à penser, il n'y a qu'à se mettre au service.